Mettez-vous en position. En avant, marche. Gauche, 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 droite, gauche. C'est dans cette clairière, à l'écart de la ville, qu'une centaine de paramilitaires s'entraînent à marcher au pas, armés jusqu'aux dents. Ultra-minoritaires dans le pays, ils défendent un nationalisme blanc, antisémite et xénophobe. Avec des groupes comme le Ku Klux Klan, les néo-nazis ou le nouveau parti traditionnel des travailleurs de Matthew Embach. À 28 ans, c'est la figure montante de l'extrême droite aux États-Unis. Pour lui, les Noirs et les Blancs devraient vivre dans des États différents. Nous sommes séparatistes. On pense que chaque peuple doit être souverain chez lui, dans son espace. Mettons des policiers noirs dans les rues noires, des professeurs noirs dans des écoles noires, des entreprises noires dans les quartiers noirs, et la même chose pour les Blancs. Direction Pikeville pour le défilé. Quand ils arrivent, la police et les unités anti-émeutes sont déjà sur place. La ville est complètement bouclée. Une foule les attend dans la rue principale. Des habitants de Pikeville, des militants antifascistes, tous sont venus exprimer leur rejet du racisme et des troupes de Matthew Embach. Les Américains ont d'autres choses à faire que de se diviser. C'est quoi ces histoires de race? On devrait s'unir pour être plus forts. J'ai 50 ans et je n'ai jamais vu ça de ma vie. Nous sommes en première ligne dans le combat pour la race blanche. Nous sommes les troupes de choc de la race blanche. À chaque fois que nous nous levons pour le droit des Blancs, nous sommes accusés de propager la haine ou le racisme. Pourquoi? En américain, on les appelle les groupes de la haine. Il y en a 900 dans le pays et leur nombre augmente depuis 2 ans. La stratégie des contre-manifestants est de faire le maximum de bruit. Ils refusent d'entendre les slogans du camp d'en face. Le jeune leader politique se fait acclamer par le salut nazi. En France, ce rassemblement pourrait constituer une infraction pour incitation à la haine raciale. Go home, Nazis! Go home, Nazis! Go home, Nazis! Go! À Pikeville aujourd'hui, deux visions de l'Amérique s'opposent. Ce type d'affrontement se développe dans plusieurs villes depuis quelques mois.